Alors, je suis Bernadette de Molle, du Montier, voilà. Je suis normande, de Normandie, moitié bretonne, moitié normande. Je vis dans le Médium, Périgord, je oui. suis médium depuis beaucoup de, enfin pas beaucoup, mais depuis très longtemps, on va dire, puis enfant. Alors, découvert les dons, c'est pas comme ça que je vais le dire, c'est-à-dire que c'est à partir de 5-6 ans que ça s'est passé, que je voyais dans ma chambre des scènes, voilà, il y a plein de choses qui se passaient dans ma chambre. J'avais très peur parce que c'est pas évident. Donc la nuit, ça me réveillait. Et là, je voyais, y avait plein de scènes sur mes murs, partout. Donc je me levais, j'allais dans la chambre de mes parents. Je bougeais pas parce qu'on était une famille. Mon père et ma mère, c'était pas toujours ça, donc je voulais pas les réveiller. Donc une fois que je me sentais bien, je repartais dans la chambre, ça revenait. Donc ça a duré jusqu'à l'âge de 11 ans peut-être dans la chambre. Hein. J'ai été placée en restauration à l'âge de 12 ans. Donc là, je faisais un petit peu ma vie puisque mes parents s'étaient séparés, mais bon, voilà. Et à l'âge de 15 ans, j'ai été travailler à Paris. Et là, quand j'ai été travailler à Paris, moi, je croyais que tout le monde était comme ça. Hein. J'entendais parler des voix et tout. Parce que comme je travaillais chez une personne où je gardais une petite, des fois, je sortais avec la petite et puis on me suivait. Hein, ou, voilà. Et donc, on me disait, tu dois aller là, tu dois prendre cette rue-là, que je ne connaissais pas. Hein. Donc voilà, après, je me retrouvais toujours au pied de la porte où on habitait, quoi. Et après, à 17 ans, j'ai travaillé à Paris aussi en restauration. Bon, là, ça a été pire parce que là, j'ai été, pas agressée, mais vraiment suivie par des gens où ils n'étaient pas une personne, plusieurs personnes. Et ils savaient l'heure, justement, quand on parlait des renards tout à l'heure. Ils savaient à l'heure que je quittais et tout ça. Et donc, ils m'attendaient dehors. On me disait, tu prends cette rue-là. En fait, je sortais par une autre porte et je prenais des rues que je ne connaissais pas, mais on me parlait. Et puis, voilà. Je voyais pas trop d'images, mais on me parlait. Et donc, j'arrivais toujours à semer tout le monde. Et après, j'ai connu le père de ma première fille, Mélanie. Et là, ça a été un peu la misère avec lui. Et par contre, là, j'avais des visions, on me faisait voir des choses et tout sur lui, et qui était vrai, voilà. Hein, il y a même un jour, j'avais les petites sur moi, et puis entre ma fille et moi, il y avait un truc qui avait dégouliné. Il était en train de me parler, il avait trouvé un tableau dans le grenier, descend, et je savais que ce tableau-là, il était mal, quoi. Et donc, j'ai dit, va, enlève-moi ce tableau parce qu'il n'est pas bien et tout, et puis il est parti. Et j'ai pris la petite, j'ai fait ça, et il n'y avait plus rien. Bon, déjà là, c'était. Bon, même moi, j'étais étonnée, quoi. C'était un peu bizarre. Et après ça, parce qu'il m'en est arrivé des trucs. Alors après ça, donc j'ai connu. Je me suis séparée, j'ai connu donc mon mari que j'ai maintenant, là. On a eu deux petits-enfants. Et il avait un de ses frères qui vivait plus ou moins avec, puisque après, il a été malade. Donc il a eu. Malheureusement, maladie incurable. Et il avait un ami. Donc son ami est décédé en premier. Et avant qu'il décède, je dis à mon mari, je dis, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se passe, il est mourant et tout. Il me dit, oh mais non, ça va aller, il le soigne et tout. Et le soir, je reçois un coup de téléphone. Bon, il était parti lui travailler. Je reçois un coup de téléphone. Et ça me dit au téléphone, bonjour Madame Mimosa, au revoir Madame Mimosa. Ben, j'ai dit, mais c'est la voix à Dominique. Et en fait, il était décédé et il m'avait envoyé. Et il savait que j'adorais le mimosa. Et après, mon mari rentre à la maison. Il me dit, oh, mais c'est marrant, t'as acheté du mimosa. J'ai dit, non, j'ai pas acheté de mimosa. Il me dit, mais ça sent le mimosa. Et j'ai expliqué l'histoire, quoi. Et puis, dans la nuit, enfin, dans plusieurs nuits, c'est pareil, j'avais des jouets, des enfants qui se mettaient en route, sans pile, hein. Pas de pile, rien. J'avais un. Enfin bon, ça a été. Et après, c'était son frère, donc à Didier, qui est parti à l'hôpital. Et là, je dis à mon mari, je dis, mais arrête, tu me fais mal, arrête de me serrer la main, tu me fais mal, quoi.
Et puis il me dit, regarde, les mains sont là, je ne peux pas te serrer la main. Puis après, c'est moi, Pascal. En fait, c'était Pascal qui me serrait la main. Il était parti, mais il m'a serré la main. Puis après, voilà, il y a plein de choses qui s'est déclenché. Et il y a maintenant plus de, ouais, presque 30 ans, un truc comme ça. Ouais, 28, 30 ans. Avec mon mari, on a failli se séparer. Et donc là, j'ai fait du chamanisme, quoi. Oui, moi, on ne vit pas. Et là, j'ai fait la mort et la renaissance et tout. Oh là, tout s'est déclenché, quoi. Enfin, il y a plein de choses. J'ai vu des trucs, même quand j'étais petite. Enfin, plein de choses. Et puis, je suis revenue toute forte. Hein. J'ai dit, il y a un choix à faire. Hein. Moi, je suis maintenant libre et puis je fais ce que je veux. Puis voilà, quoi. Puis c'est là que tout s'est déclenché. Je faisais pour des amis, je faisais la médiumnité pour des amis, mais voilà. Et on m'a dit, non, il faut que tu fasses pour aussi les gens. Et ce que je voulais faire, c'est correspondre beaucoup avec Pascal qui est décédé. Donc il est là, il est toujours avec moi parce que voilà. Et je prenais un crayon comme ça, je me levais la nuit parce que ça me brûlait l'oreille. Alors je me levais la nuit et puis je prenais un crayon comme ça. Et en fait, c'est pas lui que j'ai eu, c'est un monsieur qui est décédé qui était au-dessus là et une dame qui est décédée un peu plus loin, très jeune avec sa fille et puis lui qui est décédé, voilà. Et j'ai eu des messages pour les enfants qui restaient et là pour les parents et la petite qui restait aussi. Et on m'avait dit, faut que tu lui donnes, mais je l'ai jamais fait, jamais osé aller leur mettre dans la boîte à lettres ou leur mettre dans les mains parce que je me suis dit, ils vont me dire, elle est pas bien, quoi. Enfin bon, je l'ai jamais fait. Et après, toutes les nuits, ça me réveillait, ça me brûlait. Alors, j'ai écrit, j'ai un carton, des livres, des cahiers entiers d'écriture automatique, toutes les nuits. Comment c'est ? C'est parce que je voulais correspondre avec mon beau-frère. D'accord, oui. Et puis, j'avais dit, comme j'avais déjà des choses et tout, mais bon, là, je m'étais dit, je voulais écrire. Je sais pas, c'était une lubie, je voulais écrire. Donc, et c'est là que j'ai eu des messages. Et après, j'ai eu d'autres messages. Alors, mais j'ai eu des sacrés messages. Hein. Pour le tsunami, je l'ai eu. Pour plein de choses. Je l'avais eu 2 ans avant. J'avais eu plein de trucs avant. J'ai même d'autres trucs que je dirai jamais. Parce que là, c'est pareil. Là, il y a des choses qui sont pas belles, quoi. Ma grand-mère, qui soignait beaucoup les gens, qui recevait des gens. Bon, après, savoir ce qu'elle faisait d'autre, je sais aussi qu'elle elle recevait beaucoup, elle soignait beaucoup les enfants et les personnes. Et après, ma mère. Mais ma mère, j'ai jamais su trop ce qu'elle faisait. Je savais qu'il y avait toujours des photos, mais elle ne voulait pas que je vienne. Elle faisait toute seule. Voilà. Hein, donc après, voilà, ma mère, bon, je me doute qu'elle devait aussi faire ça, quoi. Voilà. Puis après, je ne sais pas si ça revient loin, je ne sais pas. Enfin, ça me le dit pas, quoi. Voilà. Et votre grand-mère, elle était coupeuse de feu, Oui, elle soignait les gens pour le feu et d'autres maladies. Ah, hein. Elle était guérisseuse. Voilà, elle était guérisseuse. Et puis, bon, elle avait aussi des photos, mais bon, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec les photos, mais je sais que peut-être qu'elle... Enfin, c'est pas peut-être, là, on est en train de me dire, non, c'est pas peut-être, c'est parce qu'on lui envoyait des photos pour travailler dessus. Ah, voilà. Voilà, guérisseuse, elle faisait par... comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tiens, c'était pas la voyance, c'était guérisseuse. C'est en plus, on parle entre deux. Oui, en fait, enfin, guide, elle est là. Parce que quand je fais aussi les gens, je les dégage un petit peu de ce qu'ils ont à l'intérieur et tout. Et hop, souvent, son visage arrive et j'ai ses mains. Voilà. Alors pour moi, c'est aussi... Quand vous parliez de guide l'autre fois, je dis mais oui, c'est vrai, puisqu'elle vient. Et là aussi, ses mains qui sont là. Donc, c'est bon, c'est qu'elle est là aussi, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que vous-même, vous pratiquez aussi les guérisons? Alors, c'est-à-dire que c'est plus les guérisons intérieures, des choses que les gens ont eues dans d'autres vies, maintenant, quand ils étaient enfants, même adultes, hein, et voilà. Et donc, je fais un dégagement. Et après, c'est vrai que je mets les mains sur les gens. Je vois un petit peu où ils ont mal, donc je ressens la douleur et là je leur dis vous avez ça ou ça, donc il faut vous faire suivre ou je peux essayer de faire quelque chose pour vous, quoi. Voilà. Je sens aussi les gens qui ont été, qui ont fait, c'est-à-dire que, comment on peut dire ça? Bon, c'est vrai que j'en ai eu quelques-uns quand même. Hein. Ben, un exemple, une femme qui a été voir quelqu'un, je ne sais plus trop où, à 1 heure d'ici. Et donc la femme était médium. Carte mancienne même,
et son mari, soi-disant, qui faisaient les désenvoûtements. Alors, quand elle a eu affaire à cette dame-là, déjà, la première fois, c'était un signe, elle y a été, elle était en retard de 10 minutes, un quart d'heure. Ils ont dit non, elle avait fait une heure de route, ils ont dit, faut repartir. Donc, malheureusement, elle est repartie. Elle y est retournée, et là, elle a pris, elle y a dit, ah non, je peux pas, parce que vous avez le démon sur vous. Je peux rien faire, mais il faut que vous voyez mon mari. Donc, je vous explique pas trois fois. Donc, enfin, bon, bref. Et moi, elle me téléphone, un jour, elle me téléphone, mais en pleurs. En pleurs, et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez et tout. Alors, je l'ai prise, elle est venue ici, je l'ai prise. D'ailleurs, elle a eu du mal à monter les marches et tout. Elle est venue là, elle me dit, mais on me dit que je suis possédée. Elle m'a dit, ça fait plusieurs fois que j'y vais, mais avec le prix, elle me dit, on m'a dit que j'étais possédée. Alors, je la fais asseoir et tout. Oh, j'avais des douleurs aux jambes, enfin, j'avais des douleurs un peu partout et tout, mais je dis, mais... T'es bourrée d'arthrose, t'es bourrée de... Elle avait des choses à l'intérieur qui n'étaient pas soignées. Et puis elle me dit, oui, c'est vrai, j'ai mal là, là, là. Mais je dis, mais soigne-toi, parce qu'en fait, t'as rien. Elle n'était pas possédée, donc je le sens tout de suite, parce qu'en plus, je vois... Donc, elle n'avait rien. Mais voilà, un petit exemple des gens. Voilà, et puis... et d'autres, hein, une fois, j'ai eu aussi des jeunes, surtout les jeunes, hein, les jeunes filles qui vont faire du truc de chamanisme, quoi, hein, qui se retrouvent dans des cercles. Les gens savent faire, mais ils ne savent pas... ils leur font sortir des choses comme le Reiki. Hein. Ils font sortir des choses aux gens, hop, tac, dans les mains, et maintenant, allez, tu rentres chez toi. Ouais, mais... Les gens, ils chialent, ils savent plus où ils sont, qu'est-ce qu'on fait, voilà quoi. C'est comme si qu'il y a un psychologue qui vous fait sortir des trucs, il dit bah, allez, maintenant c'est temps, repartez chez vous, je vous revois dans un mois. Mais bon, il voit bien que la personne, si ça va pas, il va pas la lâcher comme ça, quoi. Il va quand même essayer d'enrober le truc pour calmer le jeu, quoi. Bon, souvent c'est médicaments, mais enfin bon, bref, ils vont. Voilà, c'est pour ça que bon, faut quand même faire. Attention, et puis voilà, donc moi je. Bon, souvent je récupère des gens comme ça, hein. Enfin malheureusement pour eux, quoi, voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui arrive ici. Hop, je fais comme ça. Avant qu'il arrive, hein, je fais comme ça. Alors, ça, c'est l'énergie positive, négative. Voilà. Donc, je me mets là et je regarde. Alors, on va voir sur vous, sur ce monsieur. Là, vous êtes très bien. Bon, souvent, je l'ai fait asseoir, la première fois que je les reçois, en médiumité, je l'ai fait asseoir et je mets les mains dessus. Comme ça, et en même temps, je travaille avec mon pendule pour voir l'énergie, où ils en sont. Puis après, je demande un petit peu et tout, on me dit, il y a eu ça, 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 bon, qui est resté soit des vies antérieures, soit de là, ou... Enfin, quoi, des fois, c'est pareil, des femmes ou des hommes, hein, qui, une fois, c'était un homme, hein, qui avait les barrières, mais c'était une maltraitance, quoi. Je dis, oulala, il y a les barrières, vous ne voulez pas franchir, parce que je ne sais plus trop. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais je vois des images. Ah, et des fois, ça me brûle. Et là où j'ai posé la main, où ils ont eu mal, soit qu'ils ont eu mal, ou alors ils ont mal. C'est soit une blessure où ils se sont fait, une fois c'était là, derrière le cou et tout, là la personne s'était fait couper la tête, si vous voulez. Donc là, elle avait toujours mal là, mais en fait c'était un reste qui était là, quoi. Des vies antérieures. Ouais, des vies antérieures. Et puis après, bon, ça peut être les seins, ça peut être la gorge, souvent c'est là, la thyroïde. Là c'est parce que les gens ils étouffent, ils veulent rien dire. Donc là ça commence à s'inflammer. Ben voilà, là je le sens avec les mains, ça, c'est pas que ça me chauffe, ça me parle. Moi mes mains, ils me parlent. Voilà. Hein, puis après avec les images, ça me fait voir des choses. Si les gens ont été maltraités, des fois ouais. D'accord. Dans d'autres sens, hein, je vois un peu tout. Souvent quand je pose les mains, hein, voilà. Oui. Et après, une fois que j'ai eu la personne, bon après, ça sert à rien de revenir 6 mois, 1 an après. C'est un peu ridicule parce qu'il n'y a pas de date en médiumité. Donc voilà. Donc que le temps passe et puis ils reviennent et puis comme je les avais eu une première fois, au moins qu'ils me disent bon ben j'aimerais bien que vous me faites un soin. Bon, enfin un soin, oui, je ne fais pas soin, mais ça, eux ça leur fait du bien parce qu'en plus je les dégage de plein de choses. Enfin, voilà, mais comme moi je vous dis, comme dit un médium de campagne, je reçois, je fais, on me dit de faire, et voilà quoi. Et donc les gens, je leur fais.
S'ils demandent, je le fais. S'ils ne demandent pas, c'est en médiumité, voyance, médiumité, parce que je reçois aussi bien les gens décédés et non décédés. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a beaucoup maintenant, beaucoup le travail, les couples. Il y a des choses, bon, après, il y a des choses... j'aime pas trop, quand, de toute façon, ça me le dit, hein, quand les gens, ils viennent pour les collègues ou ceci, cela, parce qu'on commence à dire des choses, ils savent pas. Ça, c'est dommage, parce qu'ils disent, ah, peut-être ou pas, bon, voilà, après, ils écrivent ce qu'ils reçoivent, mais bon, c'est un peu déjà gênant, parce que ça les regarde pas. Enfin, moi, je dis, même si c'est votre meilleur ami, il y a des choses qui... que les gens ne doivent pas savoir. Chacun, son truc personnel, c'est réservé pour eux, quoi. Voilà. Donc, oui, beaucoup, oui, maladie, travail, couple, voilà. La routine de ce que demandent souvent les gens, hein, c'est le plus important, quoi. Ouais. Bon, après, les trucs un peu loufoques, on va dire. Mais bon... Souvent, là-haut, on me dit, enfin, je dis là-haut, c'est, pour moi, c'est partout autour de moi. Là, faut dire ce qu'il en est, quoi. C'est-à-dire que moi, je reçois. je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais où je travaillais dans un endroit, là, il y avait un comptoir, il y a une personne qui arrivait avec une dame. Le monsieur est arrivé, plus il s'approchait, plus je voyais son squelette. Donc ça m'avait dit, là, il n'en avait plus pour longtemps, quoi. Voilà, donc là, c'était voilà, un message comme ça. Après, je ne dis pas, à chaque fois que je vois une personne, on me dit tac, tac, tac. Moi, j'essaie, quand je reçois les gens, après, hop, c'est leur vie, tout ça. Je veux pas. Et ça, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est fini, c'est fini. Voilà. Hein, bon, s'ils m'appellent 2-3 jours après... Bon, oui, je leur réponds à leurs questions et tout, on refait un travail. Mais s'ils ne m'appellent pas rien, hop, c'est bon. Après, quand ils reviennent, je refais le travail. Ils me disent, ah ben oui, vous m'avez dit ça, ça, ça. Bon, voilà, on travaille dessus. Mais donc, je vous dis, je vois en film, c'est comme des scènes de cinéma, en fait. On me fait voir des films, on me parle, voilà. Et après, si les gens ont besoin d'un soin et tout, bon, enfin, un soin... d'une libération, bon, je leur dis, il y a quelque chose à faire, soit moi ou d'autres personnes, c'est pas grave, des fois, je les fais détendre, allonger, je leur fais comme un peu en hypnose, si vous voulez, et après, hop, on travaille avec la voix, je les fais mettre debout, là, comme ça, et comme un chanteur d'opéra, pour libérer un petit peu ce qui est resté. Quand j'ai eu, malheureusement, on a failli se séparer, malheureusement. Enfin, ça, c'était un parcours. C'est parce qu'il fallait passer par là. Du coup, j'ai fait plein de choses grâce à ça. Et donc, j'ai fait du chamanisme en Ariège, la mort et la renaissance, pendant une semaine avec Agnès Reski. Une bonne semaine, on est parti dans des tuyaux, dans une grotte, quoi. On est parti, on a fait le serpent en fait. Et après, on a fait des chants. Mais bon, comme ça, la colline, il fallait la monter. Hein. Mais moi, ça. En fait, c'est pareil. Là, c'était plus mon corps, rien. Ça, je montais ça. Au début, non, parce que c'est très dur. Après, je suis montée là-haut. Après, on a fait des danses. Après, on a été là où il y a la grotte. Mais là, après, il y avait des visions partout. Hein. Je voyais tout le temps. Jusqu'à temps que ça finisse d'ailleurs. Un bout de temps, ils ont même été obligés de me ramasser parce qu'ils m'ont mis dans le lit tellement que ça partait de partout. Je me suis transformée en aigle, en serpent, en ours. Je me suis vraiment transformée. Mais après, le petit problème que j'avais, c'est que quand je suis revenue chez moi, quand je conduisais, j'étais un aigle, si vous voulez. Ça me faisait une. J'étais vraiment. Après, je me suis calmée parce que voilà. Mais ça me le fait. Quand j'entends les tambours. Pour ça, j'évite d'aller plus ou moins dans des trucs parce que quand j'entends le tam-tam, bon, j'en ai un parce que je fais moi toute seule là, mais là, c'est terrible quand on entend le tam-tam. Hein. Là, vous partez, vous êtes branché, vous partez quoi, voilà. Donc, on a fait ça et on a fait aussi, après, à la fin, on s'enterre. On fait son trou, on était 7, on fait chacun son trou.
on se met dedans, ils nous couvrent avec des planches et de la terre par-dessus, et on passe toute la nuit comme ça, la mort et la renaissance. Et après, elle a fait des chants, des danses, on a fait tout ça toute la nuit, et là, on est revenu. Ah ben oui, parce que là, j'étais, je vous dis, c'était plus moi, quoi. C'est pour ça qu'après, j'ai dit, bon, là, faut que il y a encore... Parce que, bon, là, franchement, comme j'ai été plus d'une fois là-haut, en fait, il ne faut pas avoir peur de la mort, hein. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment c'est beau, quoi. Hein, moi, je sais que je suis partie plus loin, et heureusement que je me dis, non, il faut que je reste là, il faut que je revienne, parce que c'est super, quoi. C'est super. Et puis, quand on a fait du chamanisme, quand vous pouvez vous transformer en animal et tout, bon, là, on va peut-être dire, elle va plus. Mais si, justement, on se transforme. Et puis, bon, comme j'ai fait d'autres expériences, c'est vrai, quand on part, et puis moi, j'ai eu la chance, enfin, j'ai la chance, parce que quand je mets les mains sur les gens, après, j'ai un être qui vient, là, qui vient, et puis c'est toute une énergie pas possible, quoi. Oui, guide, si on veut. Oui. C'était la rencontre avec votre guide. Voilà, je vais vous dire, c'est comme la Vierge, si vous voulez. C'est d'une beauté, d'une lueur, d'une robe magnifique, quoi. Mais c'est vraiment beau, quoi. Et après, ça me dit, bon, sur la personne, quand j'ai les mains dessus et tout, c'est là que ça me dit, bon, bah, c'est bon. Et hop, je vois les gens qui se mettent à genoux devant. Et là, c'est bon, c'est que c'est fini, la fin, enfin, l'être fini. Et c'est bon, je peux enlever les mains de dessus. Ah, voilà, bien. Quand je les reçois la première fois, quoi. Et du coup, quand ils viennent, qu'ils sont un peu bancals à droite, à gauche, parce que c'est pareil, je le sais quand je mets les mains aussi, donc sur les gens, je le sais s'ils ont touché à quelque chose ou l'étape tournante. Hein. Il y en a qui font ça. Alors des fois, j'ai le corps qui part comme ça ou d'à droite, gauche, je le sais. Et du coup, hop, ils repartent avec mon pendule. Je regarde, ah, c'est bon. Ben, c'est la Vierge, quoi. Ah ouais. C'est pour ça que après quand on dit tout, les gens, c'est pas que je m'en fiche pas, mais c'est pas le mot, c'est que bah après vous passez pour une, enfin pour ça je m'en fiche complètement, mais bon quand vous dites ça, c'est pas bien, quoi. Mais bon, moi c'est comme ça, et ma grand-mère, je sais qu'elle travaillait comme ça, je le sais parce que ça me le dit. Voilà. Elle travaillait qu'avec des prières, ma grand-mère. Ouais. Alors moi, c'est même pas moi qui fais plus ou moins à la fin les prières. Elle commence et après elle est finie. Donc moi, je suis entre deux. Voilà. Quand il y a la fin, pour que les gens, leur énergie, elle soit super belle. Elle me fait, c'est des signes. C'est plus des signes. Voilà. Puis bon là, oh là. C'est des lumières que je n'ai jamais vues. Pourtant, je fais de la peinture aussi, mais je n'ai jamais vu une couleur du blanc comme ça. Et du... Enfin, c'est magnifique, quoi. c'est-à-dire que là, mon mari fait des pendules. Il fait toutes sortes de pendules. Celui-là, c'est un pendule égyptien. C'est à Paris, les éditions Les Maris qui y ont fait faire. Ils avaient la forme. Et c'est lui qui les a tournés, donc il m'en a fait un. Et puis je lui dis, tiens, ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est pareil, c'est un druide, un ami à mon mari aussi, qui est venu un jour ici, il y a un bout de temps, il est venu. Et mon mari n'était pas là, et il a mangé avec moi, un monsieur qui a 70 ans, à peu près 70, 75 ans. Il me dit, bon, Didier n'est pas là. Il me dit, bon, allez, je vais t'initier pour nettoyer les maisons avec le pendule. Alors du coup, ça aussi, je le fais. Bon, je fais. Bon, après, il ne faut pas toucher non plus à tout. Mais bon, je sais que je le sais le faire. Et je vais dans les maisons et mon pendule me dit si dans la maison, il y a tel ou tel objet qu'il faut garder, pas garder. Même une photo. Hein. Vous pouvez avoir une super photo de quelqu'un, mais quand elle a été prise, la personne était triste ou enfin plein de choses. Du coup, c'est pas bon pour l'intérieur. Un objet, tout. Voilà.
Donc le pendule me le dit. Et puis dans les pièces, c'est pareil. Dans les pièces, là, je peux faire le tour d'ici. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va me le dire. Ah, c'est moi qui lui dis de quel sens que j'aimerais bien qu'il tourne pour positif ou négatif, quoi. Mais ça, c'est les druides qui travaillent. Vous voyez, bon, là, comme ça, s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, bon, déjà comme c'est mon monde ici. Voilà, il n'y a pas. Mais si ça va pas, il va tomber. Ben, là, le panier plein de bazar, il va certainement pas aimer. Parce que les poubelles pleines et tout, ça n'aime pas. Hein. C'est pas bon pour une maison. Vous voyez? Alors j'ai dit, si c'est vraiment vrai, ben, va beaucoup plus vite, quoi. Voilà. Alors ce panier, on va l'enlever. C'est pas le bazar pour allumer le feu. On enlève le panier. Et il tourne dans le bon sens. Voilà. Et ça, les gens, il ne faut pas qu'ils aient de poubelles qui débordent dans leur maison. Parce que l'énergie n'est pas bonne. Ça plombe un peu la maison. Et pour les gens, je leur dis, bon ben, je vais vous faire voir. Soit qu'il l'enlève, ou alors je vais aller me chercher un drap blanc, on le couvre et le pendule, tout de suite, il repart dans l'autre sens. Et voilà, c'est bien l'objet. Donc après, ils se sentent bien chez eux et tout, parce qu'il faut. Voilà. Alors, donc il m'a appris ça. On a passé la nuit, parce qu'il était parti, donc on a passé, on a tout regardé. Voilà. Et puis après, quand il y a aussi des êtres qui sont restés, bon, bah ça, après, je l'ai autrement. Moi, je l'ai, voilà, je l'ai Ah, vous pouvez le autrement. détecter avec le pendule aussi, Alors, si vous le c'est-à-dire, moi, je détectez. l'ai autrement. Oui. Et après, je regarde avec le pendule si, quand je fais des choses dans la pièce, donc si c'est parti ou si ça reste, s'il y a encore besoin ou pas. Voilà. Mais bon, souvent, c'est. Des fois, je dis souvent, c'est pas méchant. Donc, la personne, elle est là. Il faut juste faire ce qu'il faut, des prières, des bougies blanches, mais vraiment les aider pour partir. Voilà. C'est vrai que ça arrive de temps en temps que j'en fais aussi. Il y a des gens, voilà, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, pas très loin, le monsieur est décédé, ou quand je suis rentrée dans la pièce, je dis, oh là là, c'est ici, où j'étais à l'endroit, il me dit, oui, justement, c'est là qu'il est décédé. Donc il était vraiment resté encore là. C'était pas méchant, mais il était là. Il était vraiment, parce qu'il l'aimait beaucoup, et donc il voulait pas partir. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement quand un défunt veut rester dans son logement comment peut-être ça doit être beaucoup plus difficile de le faire partir à ce moment-là, parce que c'est une volonté, là. Voilà, donc là, il y a, enfin, c'est-à-dire qu'après, il y en a qui ne veulent pas partir. Hein. Il y en a qui ne veulent pas partir, ils veulent rester. Mais bon, là, il y a tout, soit vivre avec et tout ça quand on sait que ce n'est pas méchant. Mais après, à force de faire des prières, leur faire comprendre, parce qu'il y a une façon de faire, que bon, ben, c'est un passage. Voilà, faut leur parler comme si que, voilà, ils sont là en face, quoi. Faut leur parler. Et donc, moi, je le fais. Et puis, avec les prières, souvent, ça s'en va. Voilà. Alors, quand le pendule il repart, je re-regarde avec le pendule. Ah bon, c'est bon, ça va se faire. Donc, je dis pas qu'il part, mais ça va se faire. Voilà. Et souvent, c'est parce que les gens pleurent trop. Ils s'en rendent pas compte. Et ça, je l'ai quand je fais la médiumnité. Les gens sont très tristes et tout, et ils me le disent, il faut qu'ils arrêtent de pleurer là, parce que là, ça va plus. On reste pour pas qu'ils fassent de bêtises ou ceci ou cela, quoi. Donc après, ils les retiennent. Ils les retiennent, on va dire, ils les retiennent. Tout médium va vous dire ça, mais moi, ils me le disent franchement, ils disent non, pour eux, faut leur dire qu'ils arrêtent, quoi. Parce que bah, ça rend même tout le monde malheureux, parce que même la personne, si elle a ses occupations. Parce qu'ils ont. On a, enfin, moi, ça me fait voir des sphères, quoi. On a des choses à faire. Si on doit revenir très vite, on revient très vite. Mais voilà, il y a encore des choses à gérer. Voilà, quand on me dit, moi, on me fait voir. Je vous dis comment on me fait voir des films, on me fait voir des trucs. Et donc là, du coup, c'est pas une perte de temps, mais ils sont encore, voilà, surveiller la personne pour pas qu'elle fasse de bêtises ou faut arrêter de pleurer parce qu'en fait, quand ils partiront à leur tour, ils vont dire, ah oh ouais. On a pleuré pour rien, quoi, parce que c'est tellement beau.
Ah ben, faut que les gens m'envoient la photo, oui. Ou Mais alors oui. un dessin de la maison. Oui, voilà, ça aussi, le dessin de la maison. Mais j'aime bien avoir les photos des pièces parce que là, j'ai fait aussi pour quelqu'un qui avait acheté une boutique. Mais bon, là, j'ai dit là, bon, il y avait eu. Je crois qu'il y avait eu quelqu'un qui s'était fait du mal dans une pièce. Mais elle, c'était pas très sympa parce que c'était une boutique. Donc, oui, c'était toujours sa boutique, au monsieur. Donc, les gens, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils. Alors donc voilà, donc il venait avec les photos et j'ai fait le travail et tout, mais bon là c'était voilà. Je le fais même la médiumnité, je fais par téléphone. Donc voilà, les gens m'envoient soit des photos ou pas de photos, mais ils m'envoient des questions ou autres, ce qui sur quoi ils veulent partir et je fais par téléphone le soir, tard. Il n'y a pas de J'aime distance. bien. Travaille plus la nuit, moi. J'en fais un petit peu comme ça. C'est vraiment. Et ça, c'est plus, bah, vous voyez, comme le cadeau que j'avais fait à mon amie, là, elle voulait que je lui offre rien. Bah, j'ai dit, je vais te faire voir comment on fait. Et là, les gens sont surpris parce qu'ils ne s'attendent pas à ça, quoi. Et souvent, ils sortent vraiment quelque chose, quoi. Des fois, ils cherchent et tout. Et souvent, tout de suite, pouf, ça vient. C'est que c'est vraiment fait pour eux. On a vu des saints, enfin, il y avait, Oui. c'était plutôt l'abbé Pierre, mais est-ce que vous travaillez aussi avec des saints? Il y a beaucoup de médiums qui travaillent par exemple avec Padre Pio, enfin, est-ce que vous travaillez avec un saint en particulier? Alors moi j'ai l'abbé Pio qui vient de temps en temps. J'ai lui, j'ai Philippe de Lyon. Quand souvent je travaille que les gens sont à sortir un petit peu et tout, alors soit qu'ils viennent tout seuls ou soit je leur dis bon vous venez m'aider là pour quand je vois que les gens sont vraiment et hop les visages tout de suite ils arrivent, ils sont là et voilà, on est ensemble quoi. Voilà. Mais quand il y a eu les jeunes qui ont fait, bon là, je vous dis, j'en ai plusieurs hein, jeunes qui viennent, je dis jeunes, bon pour moi c'est des jeunes qui ont entre 30 et 35 ans, souvent c'est à cet âge-là qu'ils veulent toucher. On dit souvent c'est plus jeune, mais souvent c'est, ils veulent essayer, ils veulent essayer, donc 30, 35 ans, et ils vont faire des formations, des stages, des trucs et tout, et malheureusement, ils vont à des endroits, c'est fait un peu plus ou moins maléfique, quoi. Il y a des choses, des fois, quand je mets les mains sur les gens, je dis, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois, oui, c'était la femme était vraiment perturbée. Deux anecdotes. Une, elle était perturbée et elle, ils avaient fait les tables, la table tournante, là. J'ai dit, non, non, plus jamais ça. Donc, ils ont fait rentrer, mais ils se sont joués comme ça. Ils ont fait rentrer quelque chose, enfin, un esprit. Et puis après, elle avait toujours des misères, quoi. Voilà, ça avançait pas. Donc là, c'est pareil, j'ai travaillé et tout sur son endroit. Bon, là, normalement, c'est bon. Après, j'en ai une autre avec la Ouija. Il y en a, ils disent la Ouija. Non, c'est. Mais non, non, non. Là, oui. Elle habitait au Coux, la dame. Hein. Elle avait, quand c'est arrivé, elle avait 15-16 ans pour se faire plaisir avec sa sœur. C'est une dame qui a 40 et quelques années. Et quand elle a fait ça avec sa sœur, ils ont acheté un truc comme ça, et ils ont été dans la chambre, ils se sont amusés. Mais elle a dit, ça a bougé, ça a fait le bazar, et tous les jours on était. Alors, c'était pas méchant, mais vous voyez, tout le temps, un homme qui arrivait en costume d'une époque, voilà, était anglaise la dame. D'une époque, mais pas très gentille, mais ça faisait pas de mal. Mais ils en avaient peur. Mais il l'a suivi jusqu'au Cooks. Ouais. C'était en Angleterre, jusqu'à la maison du Cooks. Vous voyez, pareil en haut. Il aimait bien les chambres parce que c'était un peu coquin cet esprit-là, parce qu'il était toujours là. Et ouais. Et du coup, on a travaillé dessus, enfin, j'ai fait un travail et tout. Bon, là, c'est pareil, j'ai pas une nouvelle, donc voilà. Et ouais. Mais à toucher à ça, il y en a qui disent non, mais il n'y a pas. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut. Puis après, si on commence à sentir qu'il y a quelque chose, ben, il faut vite réparer le truc pour que ça reparte, quoi. Ouais, faut. C'est-à-dire quand on faut vraiment être initié. Voilà, c'est-à-dire bon, il y a plein de gens qui se mettent médium, faire des soins et tout. Il n'y a pas de problème. Mais après, il faut qu'ils se disent quand les gens, si on voit qu'ils sont pas bien ou autre, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ils sont encore là. Ils repartent mal. Quand on voit quelqu'un qui repart, qui a pas le sourire ou qui est
toujours malheureux et tout. Bon. Puis après, il faut se méfier aussi des gens qui font semblant d'être bien, mais qui ne sont pas bien. Ça, moi, ça me... Hop, je les rappelle, je dis non, là. Et là, on continue à discuter et tout. Hop, là, quand je vois que... on le sent, hein, ils sont détendus, la tête haute. Ah, c'est bon, ils peuvent partir. Mais il faut faire très, très attention. Hein. Parce que moi, j'ai une femme qui s'est suicidée. Elle allait via Pierre-Paul-Jacques et à la fin, elle s'est suicidée quand même. Ouais, dans les bois de Montpazier, là-bas. Là, c'est... Là, c'est très, très fort. Bon, après, vous avez carrément des gens qui sont malades de ça. Donc, ils vont faire tous les médiums du coin ou même ailleurs. Hein. Et puis, ils prennent. Mais ça, c'est une maladie. Donc, quand on est malade, dépressif et tout, là, un jour ou l'autre, ils passent à l'acte. Moi, je me doutais que c'est une femme qui était... Voilà, elle partait en cure, elle revenait, elle partait en cure et tout. Des fois, je la voyais parce qu'elle faisait partie d'un cercle. Là, je la voyais... Oh là, ça va, mais oui, mais bon, non, mais si, ça va aller. Mais bon, après, j'avais appris que c'était suicidé, quoi. Mais bon, voilà, voilà, c'est après, il faut faire attention aussi les gens qui ont vraiment besoin de soins. Parce que ça, c'est une autre catégorie de personnes, là, qui mélangent un peu tout. La médiumité, la voyance ou autre. Ah, bon, peut-être ça va me sortir, mais non. C'est une maladie, quoi. Après, c'est les gens qui sont vraiment malades, là. Quand je mets les mains sur les gens et tout, ça me fait voir un petit peu s'ils ont été blessés ou mal quelque part, ou voilà, des blessures en fait, que c'était dans une autre vie, oui. Ah ouais, j'ai eu ça. J'ai comme le monsieur qui s'était fait décapiter, là, après j'ai eu le genou d'une personne. Enfin, il y a. Après j'en ai eu d'autres, mais voilà quoi. Ouais, je le ressens comme ça quoi. Et ça me le dit, bon, bah, c'était dans une vie antérieure. S'ils ont toujours mal, c'est que c'est la blessure. Ils ont été choqués et du coup, c'est resté là. Non. Non, parce qu'on me dit, je n'ai pas besoin. J'ai dit, c'est bon, la nuit, ça va. Hein. Je reçois comme ça. Et après, ça me l'a dit en plus. Je reçois comme ça. Pourquoi je fais écrire? Je vais écrire. Pour gaspiller du papier, parce que des cahiers, j'en ai. Hein. Oh là là. Ma plus belle expérience, ben moi, c'est quand mon beau-frère plus son ami, qui ont eu tout au début quand j'ai eu contact avec eux, et après quand la première fois que c'est arrivé, quand je pose les mains sur les gens et puis que je vois cet être qui est là, pour moi c'est une fois pareil, j'étais assis comme ça et j'étais partie, je ferme les yeux, j'étais partie. Et là, je suis partie. Mais là, je l'ai rencontré. Ça n'a pas parlé, mais j'étais j'étais dans une couleur. Ça m'avait emporté. Oh, c'était magnifique. Hein. Il y a des couleurs, d'abord, qui n'existent même pas sur Terre. Hein. Non, j'ai jamais vu. Même les gens qui font de la peinture intuitive, vous savez, qui font des beaux tableaux avec. Qui reçoivent, mais qui font vraiment des beaux tableaux, et ben jamais vu ces couleurs-là. Jamais. Ouais. Ça, c'est une sacrée expérience.